السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم اصدقائي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نشوفو اورتوغراغ ديكتي كال 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 دونك الا لاحظتو هادو دي زوموني شنو هما لي هما كلمات تنطقهم بحال بحال انا كنقول كال بحال هادي كال بحال هادي كال ولكن كل وحده تتكتب دي فيغاما يعني كيتكتبو مختلفين وحتى المعنى ديالهم في الجمل فهو مختلف Donc, on va j'observe, j'observe pardon, et je découvre quelle énergie peut remplacer les énergies fossiles. Qu'est-ce que ce sont les énergies qui peuvent nous remplacer les énergies houfuries? Ici quel, adad استفهام. Quel gigantesque éolienne Quel gigantesque Yulian, ici quel, le rôle d'elle est qu'elle est La maison quelle va acheter et bien ensoleillée. Donc, c'est un pronom relatif. Donc, l'iker nous a le mot la maison. Ma, le pronom, donc l'iker elle va acheter bien au soleil. Donc, quel est être truc de ou le pronom relatif. Donc, quels sont les mots qui se prononcent de la même façon dans ces phrases? On hado quel, quel, quel? Si mots s'écrivent-ils de la même façon? Je beaucoup Bien sûr que non, ils ne s'écrivent pas de la même façon. Six mots ont-ils le même sens? Donc non, ils n'a pas le même sens. Mais appelle t ne même Comment ces mots? Donc qui qui les homonymes. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon qu'un mais des Je manipule et je réfléchis.

quel avec e quel avec deux z donc euh, avec e s donc féminin singulier pour féminin pluriel quel avec euh, un seul l donc masculin singulier quel avec un seul l, s donc masculin pluriel il a abrité euh, quand je veux remplacer elle ou bien elle avec s par un autre pronom personnel Kangulo, quel ou bien quel donc euh, hado

pour poser une question ou pour exprimer une exclamation, je peux utiliser des homonymes, Quel, quel avec S, quel deux L -E, et quel avec deux L -E S à la fin, donc euh, féminin pluriel. En l'accordant en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne. Exemple, quelle ampoule utilisez-vous Quel geste adoptez-vous pour économiser de l'énergie Quelle belle fleur Quel beau chapeau J'ai créé... Donc, que apostrophe elle ou bien que apostrophe elle est à la fin lorsque je peux remplacer elle ou bien elle avec s par un autre pronom personnel, je pense qu'elle viendront. Donc, je pense qu'ils viendront. Que tu viendras. Donc, voilà, radine chauffe vous les exercices. Je m'entraîne donc j'entoure le mot qui convient. Donc, c'est Donc, quelle, quelle, quelle source d'énergie existe sur notre planète Ici, on pour poser la question. une source d'énergie féminin pluriel. Source d'énergie féminin pluriel. Donc, on va l'utiliser avec deux LES. Quelle énergie utilise-t-on pour faire marcher une voiture Énergie, féminin singulier, féminin singulier. C'est la question, donc, l'oula, on se termine l'oula. Quels, quels, quels sont les avantages des énergies renouvelables? Euh, on pose la question. Hana, les avantages, on goulou, un avantage, donc, euh, masculin, masculin, pluriel, donc, qu'elle avec un seul S. Donc, un seul L et S. Donc, qu'elle avec un seul L et S à la fin, donc, dit le pluriel.

une mine donc, euh, de charbon en Chine. Les piles, les piles, qu'elle qu qu achète, toujours sont rechargeables. Donc, les piles, non, donc en une pile, Elle avec S, 4 elle a pile. Donc, quel pronom relatif qui, donc, euh, qui relie, euh, l, 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 donc, had la phrase, ma had, ma had le mot, donc, les piles. So, elle, elle je complète. Chaque phrase parle l'un des mots suivants. Quel, 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 quel. Au Maroc, quelles sont les régions où il y a des éoliennes Donc, quelle? Une région. Donc, quelle avec deux LES? s sont les, robin, le, les robinets qu'il faut changer. Quel? Un, un robinet. Donc, un seul LES. Quels sont les robinets qu'il faut changer? Barrage, un barrage, quel beau barrage, donc quel beau barrage. Regarde cette batterie, cette batterie, une batterie. L'énergie qu'elle, donc elle, qu'elle elle à la batterie, stocke le jour et utilise la nuit. Euh, les aliments, donc un aliment, quel aliment prendre pour accroître son énergie. Je m'évalue, donc la dernière question, je m'évalue. Je complète chaque phrase par le mot qui convient, quel, quel, quel ou bien quel. Donc, les sources d'énergie, Kangolo, une source, donc une énergie, une source d'énergie, donc quelles, avec deux LES, quelles sont les sources d'énergie qui existent sur Terre Les gisements, donc un gisement de gaz, donc quelles, avec un seul LS, donc un pluriel, quels sont les gisements de gaz naturel du couvert, du couvert au Maroc Ma soeur, l'école quelle fréquente n'utilise que l'énergie que solaire, donc elle est deux là L'école. Donc, euh, monsieur, quelles sont les ampoules économiques Une ampoule, donc 2LES. Belle installation solaire, une installation, une installation solaire. Quelle belle, donc 2LE, quelle belle installation solaire. Euh, on exprime l'exclamation, donc voilà. اذا هادو هما الاجوبه الخاصه بهذا الدرس اذا فيديو الجا ان شاء الله غادي نشوفو ليكسيك كونوا في الموعد الى اللقاء